Suite à l'analyse en fait des nouvelles informations autour de la pandémie et du discours du président de la République, comme quoi les regroupements pourront avoir lieu qu'à partir de mi-juillet. Donc on est mi-juillet sur la Maxi Race, mais on est allé chercher un peu plus d'informations au niveau des scientifiques et autres, et ça paraît très peu probable que mi-juillet, on puisse faire des regroupements de milliers de personnes. C'est quand même compliqué à gérer dans le staff organisation parce qu'il y a quand même presque 6 mois de travail pour certains, il y a deux gros mois de travail pour d'autres, et ça tombe à l'eau, quoi. On pense aussi beaucoup à tous les prestataires qui gravitent autour de l'événementiel, parce que c'est pas que la Maxi Race, c'est que c'est des gens qui vont plus avoir de travail depuis 4, 5, 6 mois, les speakers, ceux qui font les vidéos d'événements, ceux qui font les repas, ceux qui font les chapiteaux, etc. C'est quand même un global. On ne parle pas que de nous, organisateurs de l'événement. Il y a tout un panel de socio-professionnels tout autour qui ne travaillent pas, quoi. Donc, on pense aussi à eux. La Maxi Race, c'est aussi 12 associations différentes qui gravitent autour de l'événement et qui profitent d'une partie des excédents pour vivre leur vie associative tout le long de l'année et qui auront beaucoup moins parce qu'on va essayer de garder quand même, donc on rembourse partiellement les coureurs, on garde un peu d'argent qu'on leur reverse pour qu'ils puissent avoir un minimum par rapport au budget qu'ils avaient prévu de fonctionnement de leur vie associative. Chacun, on ramasse, entre guillemets, et puis bah, faut faire avec, quoi. Faut faire avec.